Le cerveau de votre bébé commence à se développer dès la conception. Bien manger dès le départ aide à former un cerveau en santé. Pendant la grossesse, tout ce que vous mangez et buvez et toutes les choses autour de vous ont un impact sur la santé du cerveau de votre bébé. C'est encore mieux de commencer à faire attention bien avant la grossesse, quand vous commencez à penser à devenir enceinte. Choisissez des aliments frais et nourrissants parmi tous les groupes alimentaires du Guide alimentaire canadien. Choisissez des grains entiers et des aliments non transformés. Évitez de manger des aliments gras, sucrés et très salés. Manger pour deux veut dire manger deux fois mieux, pas deux fois plus. Assurez-vous d'inclure les nutriments essentiels comme l'acide folique, le fer, la vitamine C, le calcium et les acides gras oméga 3. Demandez à votre professionnel de la santé si vous avez besoin de prendre des vitamines. L'alimentation et le mode de vie de la femme enceinte affectent le développement du cerveau de l'enfant avec ce qu'elle mange. On a le Guide alimentaire canadien qui nous dit que la femme enceinte doit ajouter 2 à 3 portions dans son alimentation pour rencontrer ses besoins. Mais encore mieux, on a une assiette modèle qui représente les groupes alimentaires. Alors, si par exemple on divise notre assiette, la moitié de l'assiette va être des légumes de couleur vert et orange. Un quart de l'assiette va être pour les produits céréaliers à grains entiers. L'autre quart de l'assiette va être pour les viandes et les substituts. Et on a un fruit, on a un produit haut en calcium ou un produit laitier. L'acide folique aide à bâtir les cellules rouges et aussi prévient les troubles congénitaux. D'autres éléments qu'on a, que la femme enceinte doit surveiller, par exemple, on a le fer. Alors, le déjeuner est une excellente occasion d'aller chercher des produits céréaliers qui sont en fer, comme la crème de blé ou un produit de blé entier. Les légumineuses et la viande rouge, le tofu et les graines de citrouille sont aussi d'autres exemples qui sont hauts en fer. On a aussi les oméga 3 qu'on retrouve dans les poissons, dans les poissons gras, dans les noix et les graines et dans le tofu et les œufs, par exemple. Les oméga 3 permettent un bon développement du cerveau de l'enfant. Les femmes enceintes devraient éviter l'alcool, les drogues et la fumée du tabac. Ces substances peuvent nuire au développement du cerveau de votre bébé. Elles peuvent même causer des dommages permanents. La grossesse est un bon moment pour être aussi en santé que possible. Les deux parents peuvent aider à créer un milieu sain où s'épanouira et grandira votre bébé. En tant que futurs parents, encouragez-vous ensemble à suivre un mode de vie sain. Faites de l'activité physique chaque jour. Trouvez des façons de vous détendre ensemble. Tu veux la sortir? Ouais, attends. Elle a bougé. Attends une minute, c'est vrai, elle bouge. Ouais. Un stress élevé peut nuire au bébé. Faites de votre mieux pour vivre une grossesse en santé, dans le calme et la tranquillité. Donnez le meilleur départ possible à votre bébé. Il est important pour les deux partenaires d'adopter un mode de vie sain lorsqu'ils attendent un bébé. C'est bien d'avoir du soutien dans la maison de son partenaire.